On essaie de les suivre sur toute la journée. Ce matin, elles avaient un entraînement technique. Non, c'est ce soir. Ce matin, elles avaient un entraînement basket classique. Plutôt collectif. Et ce soir, c'est plus travail individualisé sur plan technique. Donc là, la séance est consiste en quoi? Le jeudi après-midi, on a environ une heure de travail. Et elles ont chacune un protocole personnalisé qu'elles ont élaboré elles-mêmes en fonction de leurs objectifs de travail. Donc elles n'ont pas les mêmes besoins. Donc il y en a qui font du travail de tir, d'autres qui vont faire de la manipulation. Donc l'objectif, c'est qu'elles développent des routines, on va dire, d'entraînement qu'elles peuvent mettre en place quand elles sont seules. Parce qu'elles n'ont pas toujours les entraîneurs derrière elles, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On essaie d'être derrière elles, mais ce ne sera pas toujours le cas. Qu'elles apprennent à qu'elles soient autonomes dans leur travail. Donc se fixer des objectifs et les mettre en œuvre à travers des protocoles. Et après, la deuxième partie, c'est plus du quantitatif, où là, elles vont tirer, faire du tir pour répéter un peu le geste du tir. Donc là, le but, le fait qu'elles soient autonomes, c'est justement pour qu'elles soient capables de visualiser leurs points faibles, ce qu'elles ont à travailler éventuellement, des trucs sur des techniques. C'est pas forcément un point faible. Ou renforcer un point fort. D'accord. Mais qu'elles puissent savoir cibler, comme tu dis, c'est-à-dire voilà, le besoin, renforcer un point fort, un point faible, c'est vraiment ça l'idée qu'elles le fassent toutes seules. Voilà, si vous pouvez prendre un parallèle avec la musique, c'est quelqu'un qui fait ses gammes, qui répète des gammes, c'est pas des morceaux, mais c'est des gammes dont on a besoin de répéter régulièrement. Donc là, c'est des moments identifiés pour ça. Voilà, et effectivement, en fonction des profils, c'est pas exactement les mêmes gammes pour tout le monde. Il y a un tronc commun, mais il y a aussi des choses un petit peu différentes. C'est spécifique au poste aussi, j'imagine. Oui, au poste, puis aux besoins. Parce qu'il y a deux postes qui peuvent avoir des besoins différents. Ouais. Donc, voilà. Et donc, moi, je suis là avec mon collègue pour. Elles savent ce qu'elles ont à faire, mais on passe, on corrige, on. Ouais. On est dans les parages toujours. Toujours, pour ajuster, faire les ajustements. Et alors là, on se rend compte, quand même, on les suit depuis quelques temps. Là, elles ont un rythme quand même très soutenu. Le matin tôt, et puis elles ont. Juste après l'école, elles viennent à l'entraînement. Et là, encore à l'entraînement, elles ont aussi des devoirs. C'est-à-dire que faut qu'elles se. Là, elles ont leur séance. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que le fait d'avoir le double projet, d'avoir des élèves, des athlètes étudiants, ça change quelque chose? Ça change que peut-être des moments, elles en ont un peu trop dans la tête. Est-ce que, au contraire, ça les aide? Déjà, elles savent pourquoi elles viennent ici. Donc, c'est des journées chargées, effectivement. Mais ça fait partie de leur formation. Après, c'est aussi un excellent travail pour elles dans la gestion des moments. C'est-à-dire, je me lève, je vais en cours, après je mets le pied sur le terrain, donc je dois apprendre à switcher pour me mettre mentalement dans les conditions de pouvoir s'entraîner correctement. Après, elles vont manger, à nouveau pour les cours. Donc c'est des temps comme ça. Parce qu'on s'aperçoit qu'au plus haut niveau, quand une joueuse sait le métier, c'est la gestion des moments. Des moments où je dois me reposer, des moments où je dois m'entraîner, des moments où je dois jouer, des moments où je dois aller voir les sponsors, discuter avec eux. Il y a des moments où il y a ceci, il y a toujours des trucs à faire. Donc être capable de passer d'un temps à un autre, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Donc elles, pour elles, évidemment, c'est sur le plan scolaire, puisqu'elles ont de la scolarité, mais on pourrait imaginer n'importe quoi. Et donc c'est aussi un bon exercice pour passer, et certaines y arrivent mieux que d'autres. Pour se prendre en main et puis pour accepter les contraintes qui vont être de toute façon inhérentes au haut niveau. Voilà. Ça va être ça aussi. C'est pas pareil. Et pour elle, c'est, je dirais même, un peu plus compliqué parce que quand on est professionnel, il y a les temps d'entraînement, de vidéo, tout ça. Et par contre, il n'y a pas les cours. Il n'y a pas forcément des cours. Pour certaines, oui. Mais une vraie professionnelle, c'est son métier. Donc en dehors des entraînements, elle se repose. Voilà. Donc, pour elle, elles ont moins de temps pour se reposer, donc c'est pas facile. Ouais. Bon, ça, voilà. C'est double. Si c'était facile, il y aurait beaucoup d'élus, mais là, il n'y a pas d'élus. Non, puis en plus, en plus de ça, on voit que ça marche pas mal pour le basket, en tout cas. Parce qu'il y a quand même, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Chez les filles, ça marche bien, oui. Dans le très haut niveau, on a quand même une grande partie des qui sont passées par l'INSEP. Oui. Donc, on ne peut pas dire, ah bah non, ça marche pas. Non, là, elles sont diplômées, en plus, elles sont fortes au basket. Alors, diplômées, je dirais pas qu'elles sont diplômées. Ça veut dire qu'elles ont un diplôme, le bac. Ah oui, d'accord, sur le plan scolaire. Oui, bah ça c'est normal. C'est ça que je veux dire. De toute façon, si demain on n'avait pas une telle réussite sur le plan scolaire, les parents ne confieraient pas leurs enfants. Oui. Donc là, c'est très très bien encadré sur le plan de la scolarité. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce qu'on peut s'entraîner dans de bonnes conditions et en même temps faire la scolarité. Oui. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas de conflit entre la scolarité et l'entraînement, ça se complète. Ouais, disons que la journée est organisée pour faire les deux. D'accord. Alors, évidemment, c'est long. Mais c'est organisé pour ça. Et est-ce que si elles ne sont pas performantes à l'école, il y a des répercussions sur le sport? Alors, il peut y en avoir. C'est-à-dire que si quelqu'un est en difficulté et qui fait des efforts, on donne des cours de soutien, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Ça, c'est pas un problème.
Après, ça devient un problème quand il y a un manque de travail flagrant, des problèmes de comportement ou des choses qui relèvent de la discipline. Donc là, le levier qu'on peut avoir, effectivement, c'est ce pour sportif, c'est les matchs, des suspensions, mais c'est quand même relativement rare. Mais ça peut arriver. On pourrait tout à fait imaginer que si quelqu'un fait quelque chose sur le plan disciplinaire de pas admissible, même s'il est très très fort sur le plan sportif, ah oui, et c'est déjà arrivé. Ça, c'est indépendamment du niveau de jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles pour les meilleurs. Ça, les règles sont identiques sur ce plan-là. Donc, c'est important parce que je pense qu'on peut pas être bon sur le terrain et puis faire n'importe quoi à l'école. Il y a un minimum, il y a un équilibre à trouver, un juste milieu. Je fais régulièrement des points avec certaines d'entre elles, je fais des vidéos, mais c'est plus individualisé. Et il y en a qui sont un peu plus autonomes que d'autres. Donc je passe un peu plus de temps avec celles qui ont besoin d'être guidées, pour les mettre sur les rails. Et puis celles qui sont très 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 autonomes, quoi, le plus possible. Et c'est à la fois un sport collectif, mais c'est aussi dans le collectif, les individus sont très très différents. Donc on ne peut pas fonctionner de la même manière avec tel en fonction de leur personnalité, leur histoire, leur niveau de jeu, leur problématique. Donc il faut adapter aussi son coaching et sa présence en fonction des besoins qui sont les leurs, et ce n'est pas forcément les mêmes.